En sa qualité de ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmonde Dogo a exprimé, le samedi 18 décembre 2021 au Parc des Sports de Trècheville, sa fierté aux jeunes du RHDP pour avoir porté le président Alassane Ouattara au pouvoir en octobre 2020, en soulignant qu'ils suivent Alassane Ouattara, parce que c'est leur leader. C'est nous qui avons demandé au président Ouattara d'être candidat en 2020, après le décès du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. C'est notre choix, notre engagement, notre détermination et il a fait ce sacrifice pour nous. La seule chose que nous pouvons faire pour lui, en retour, c'est de lui dire merci. Merci au président de la République pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, parce que nous savons tout où la Côte d'Ivoire se trouvait en 2010, le président Alassane Ouattara a repositionné la Côte d'Ivoire, qu'on nous traite d'ado-moutons. Oui, nous sommes ado-moutons, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous le suivons, parce que c'est lui notre leader, notre référent, notre mentor. Qu'il nous montre le chemin et nous le suivrons, a dit Miss Belmonde Dogo. Publicité avant elle, Charles Jaoré, au nom des élus du RHDP et d'AH 100, au nom de l'Union de la Jeunesse du RHDP ont salué la forte mobilisation de la jeunesse du parti au pouvoir, à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de l'investiture du président Alassane Ouattara, qui a eu lieu le 14 décembre 2020 au palais de la présidence de la République, à Abidjan Plateau. Rappelons que le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a enregistré un taux de participation de 53,90% et le président Alassane Ouattara a été élu avec 94,27% des suffrages exprimés.